Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Franchement, je suis trop contente. C'est de la folie. Donc voilà, nous sommes propriétaires depuis le mercredi 27 à 16h. Et donc hier, nous sommes venus faire un premier grand nettoyage avec nos mamans. Et en fait, il y avait pas mal de choses à sortir, plein de sacs poubelles, de trucs. Franchement, la maison n'était ni vide ni propre. Donc voilà, ça a été pas mal de boulot. Vous verrez ça dans les vlogs. Et donc là, je vais vous faire le retour de la maison vide. Attention, âme sensible, s'abstenir, la maison n'est pas en très bon état et surtout la maison est très mal organisée. Bien évidemment, il y aura un tas de travaux, bien évidemment ça ne va pas rester comme ça. Mais l'idée c'est juste de vous montrer comment c'est maintenant et puis ça nous donnera une bonne base pour voir ensuite, je pense, l'évolution des travaux et tout et tout. Donc est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Quand je vous ai parlé, je me trouvais en fait dans l'entrée, qui est comme ceci, elle est assez grande. Là, on a une porte qui communique avec le garage où est Christophe en ce moment même. Et moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce mur en arrondi. Et ici, ça communique avec le salon. Donc, je reviens tout à l'heure parce qu'ici, on a... Attention, est-ce que j'ai de la lumière? Alors ici, la lumière, c'est un peu compliqué. On a un premier placard, si on veut, ici. En fait, ils avaient mis des porte-manteaux sous l'escalier. Alors, personnellement, on ne passe pas là-dessous. Il y a un premier escalier et ici, on n'a pas trouvé de lumière. Pour le moment, il y a le tableau électrique. Ici, il y a 1500 clés. Et là, il y a ce qui sera bientôt une buanderie. Donc, pour le moment, ça, les gars, je me demande ce que c'est. Est-ce que quelqu'un peut me dire quel était le but de cette chose? Je ne comprends pas. Et moi, je suis fan de ce gros évier-là qui est absolument trop beau. Donc, voilà. Donc, ici, ce sera notre future buanderie. Je vous expliquerai plus tard les pièces et tout, comment on va faire, parce que pour le moment, on ne sait pas trop en fait. C'est ce que je voulais vous dire, c'est que pour le moment, on a quelques premières idées, mais on sait très bien qu'on peut changer 1000 fois d'avis. Donc je vous dis grosso modo ce qu'on a en tête, mais à tout moment, ça peut changer. Donc on va retourner sur le salon, là je suis toujours dans l'entrée, et ici ça communique, en fait ça fait le tour. Vous allez voir que cette maison, elle est drôlement faite. Donc, ce que moi, j'appelle le salon, j'ai juste amené quelques plantes parce que après avoir nettoyé, je vous avoue que j'avais envie de mettre mes plantes pour que ça, je sais pas, pour un peu que ça dépollue ou que ça amène ma propre odeur, en fait, si je puis dire. Donc, voilà l'entrée. Là, hop, on donne sur le jardin. Là, il y a une espèce d'arrondi que Chris adore, que moi, je déteste. Pour le moment, on a juste mis notre petit frigo ici. Parce qu'on en a un deuxième plus grand. Mais pour le moment, en fait, on l'a amené vide. Comme ça, il repose. On amènera nos affaires ensuite. Et là, par là, on communique, on arrive dans la fabuleuse cuisine. J'espère que vous êtes prêts parce qu'elle est magnifique. Vous êtes prêts? C'est sûr? Ta-da! C'est de toute beauté. Oh, j'en peux plus. Bref, on a juste amené de quoi faire du thé et du café. Et comme vous pouvez le voir, j'ai amené quelques plantes. Voilà, superbe cuisine. On adore. Elle est horrible. Elle est horrible. Bref, là, il y a un meuble. On ne sait pas trop ce que c'est. Est-ce que je peux vous montrer? Non, mais il y avait des pépites dans cette maison. Il y avait une découpeuse à jambon. Voilà. Je l'ai gardée juste parce que je trouve ça trop rigolo et que je veux le montrer aux gens. Mais après, je vais jeter. Là, il y avait un placard. Donc c'est, je vous montre la maison en l'état, mais on l'a déjà un tout petit peu modifié. En fait, c'était attaqué d'étagères rouges. Voilà, rouge. Donc comme je vous disais, c'est en très mauvais état. Mais bon. Et donc là, ça communique. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour les portes, pour la frise aussi. Hein. Non, un gros coup de cœur pour les portes. Par contre, j'aime trop un peu à l'ancienne comme ça. Hop. Et du coup, ici, vous savez, ça recommunique avec l'entrée. Voilà, je ne sais pas si vous repérez bien, mais c'est un peu compliqué. Ici, on a un deuxième escalier. Oui, oui, oui. Et en fait, on a ce qui devait être, à mon avis, l'entrée principale. Parce que cette porte, c'est la porte devant laquelle on a fait notre photo avec Christophe. Voilà, qui ne sera pas du tout notre entrée principale, mais qui est une entrée qui donne vers le petit jardin, en fait. Voilà, on parlera des extérieurs bien plus tard. Donc là, oh non, j'ai oublié de les enlever. Oh pardon. Donc là, comme je vous disais, il y a la cage d'escalier donc qui communique encore une fois avec l'entrée. Et donc là, c'est ce qui, dans un premier temps, sera notre chambre. Voilà, dans un tout premier temps.
avec deux fenêtres qui de nouveau donnent sur le petit jardin et la pièce est assez grande. Donc là ça communique avec la cuisine comme je vous disais. Il y a un merveilleux lambris au mur, on adore. Et encore une fois, on est fan des hauteurs sous plafond, donc on a retrouvé un peu le même cachet que dans notre ancienne maison. Au sol, je trouve que c'est en plutôt bon état, si ça arrive à faire le zoom quelque part. Voilà, le sol est en plutôt bon état, il faut encore que je passe un gros coup de serpillière, mais franchement, voilà, c'est pas mes goûts, mais il est en bon état, et donc on donne sur une salle de bain. Une salle de bain, vous n'êtes pas prêt, qui est absolument gigantesque. Bon, là encore, c'est pas mes goûts. On a un merveilleux bidet. J'ai mis une petite plante, vous savez, toujours pour voilà, pour amener ma propre odeur. Hop, une petite fenêtre. Ici, on a un immense placard, mais qui est atroce, hein, vous en conviendrez. Un espèce de grippe, hein, là. Vous savez, les chauffages rapides. Voilà, et moi, je suis fan d'un truc, les gars, c'est ça. Tablette intégrée. Ouh. J'adore. Grande baignoire, bon ma foi pourquoi pas. Écoulement apparent, on a drawer. Et ici il y a un WC. Donc pas mal, voilà une espèce de suite parentale. Et maintenant si vous voulez bien, nous allons monter à l'étage forcément. Donc sur ce merveilleux escalier qui lui aussi est quand même en assez mauvais état. Moi je suis tombée à folle amoureuse, bah forcément des pierres, du merveilleux lustre. Mon Dieu, il nous reste trop de vestiges dans cette maison. Ah, un sac poubelle. J'ai vidé tellement de choses hier, si vous saviez. Donc là, on est sur un espèce de palier avec une magnifique porte-fenêtre. J'adore. Et là, les gars, c'est là que ça se corse parce qu'il va falloir vraiment être attentif. Parce que je vous jure, c'est un labyrinthe. Nos mamans hier se sont perdues. Nos amis n'ont pas encore vu la maison. Ils vont se perdre. C'est assez copieux, vous allez voir. Donc, le sol est assez sympa. Et donc ici, on retrouve, vous savez, toujours les mêmes trop jolies portes d'intérieur. Je vous remonte la cage d'escalier parce qu'elle est quand même assez épique, quoi. Donc ici, on est sur une première chambre. Tout ce qu'il y a de plus classique, avec encore un très, très, très joli luminaire, avec une fenêtre. Et en fait, cette chambre donne sur une autre chambre. Donc très mal fichu, puisque pour accéder à cette pièce, vous ne pouvez que en passant par cette chambre. Vous voyez, l'escalier était là, donc très mal fait. Et ensuite, toujours en enfilade, en fait, on arrive dans une autre pièce avec un merveilleux lino, on a drawer, une salle de bain, enfin une salle d'eau, on va dire, avec douche, WC et vasque. Et là, on arrive sur une pièce excessivement lumineuse. Je l'adore, cette pièce. Toujours en très mauvais état, hein. Ça je vous avais prévenu. Donc voilà, là on vient d'ici, hein, n'est-ce pas? Merveilleuse armoire, merveilleux fauteuil. Et donc ici ça donne encore sur une autre pièce. Voilà. Avec là il y a un dressing en fait. Je sais pas si ça vaut trop le coup que je vous montre, mais c'est un. Voilà. Ils adorent les étagères rouges ici. Et on retrouve le même bout d'arrondi que celui qui est en bas. Donc vous voyez où on est au-dessus de l'entrée. Là, il y a un piano qu'on a demandé à garder. On trouvait que c'était une jolie pièce. Donc on va ressortir. Vous savez, là, il y a nos deux pièces en enfilade. Et là, en fait, il y a un couloir. Ouais, couloir qui donne sur l'escalier qu'on a vu tout à l'heure. Vous savez, où il y avait les porte-manteaux. Donc escalier qui va monter à un deuxième étage encore. Parce qu'il y a trois niveaux dans cette maison. Donc vous voyez, là on va descendre à l'entrée. J'espère que vous suivez. Et là, il y a encore une pièce. Pièce secrète. Alors, il faut que je trouve la lumière. Lumière, oui. Donc, on est dans une espèce d'entrée immonde, avec des étagères. Non mais est-ce que vous arrivez à voir tout le sas est rempli d'étagères, non mais qui fait ça? Qui je sais pas, ça va être horrible à démonter ça. Bref, là il y a encore des étagères et un dressing, where is loose? Voilà, un dressing, tout ce qu'il y a de plus, voilà. Et ici, ah non là j'ai éteint, lumière. Voilà, ici on a une autre
pièce, notre chambre. J'adore ça, moi, les espèces de placards intégrés. Sans blague, là, j'aime vraiment beaucoup. Faut que je vire cette couette. Blah. Ok. Et donc, ici, en fait, on communique avec une chambre que je vous ai toujours pas montré, celle-là. Vous allez, ça y est, je pense que je vous ai perdu. Donc là, on a une salle de bain qui est également absolument divine, avec le papier peint qui est en train de sauter et une baignoire rose. Oui, un lavabo rose et des lustres. Trop beau. Franchement, on adore. Voilà, un petit miroir et une fenêtre. Là, il y a un petit WC, rose également. Et donc là, on arrive vers une chambre, une autre chambre. Et c'est là que je vous perds, parce que même moi, je ne sais plus où j'en suis. En gros, on a fait un rond, hein, tout simplement. Et donc là, alors il reste des meubles, hein, des anciens propriétaires. Cette chambre, elle est chouette également, parce que, donc voilà, il y a une cheminée qui n'est plus en état de fonctionnement. On verra le conduit au deuxième étage tout à l'heure. Mais voilà, et en fait, ici, ça va communiquer avec les escaliers, vous voyez. Voilà, donc si je résume, deux chambres en enfilade, une chambre, ici ça donne vers là où il y a tous les placards avec une autre chambre, et ici derrière il y a la grande pièce que j'adore. Voilà, donc là pour monter au deuxième étage, on est obligé de prendre l'escalier en colimaçon. On ne peut pas passer par ailleurs, c'est absolument impossible, puisque le grand escalier ne va pas ailleurs. Donc notre escalier en colimaçon que l'on va monter. Et c'est là un petit peu le clou du spectacle. Autant dans la précédente maison, le clou du spectacle, c'était la cave. Autant ici, ça va être le grenier. Ou alors, ils appelaient ça le pigeonnier. Vous allez voir, c'est sans mots, en fait. On peut pas le décrire. Donc, c'est les escaliers qui font peur. Hein. Franchement, moi, ils me terrorisent. C'est très sale. Hein. Je vous l'accorde. Voilà, le plafond. Oh, ouais. Franchement, elle est pas dans le même état que la précédente maison qui était vraiment détruite. Mais on n'est pas loin. On n'est pas loin du tout. Donc voilà, on est au dernier étage. On a des poutres magnifiques. On a le soleil qui rentre. Et surtout, on a des murs en très très mauvais état. Donc là, on rentre de là. Cette planche, il faut qu'on la descende avec Chris tout à l'heure. Et ensuite, on va arriver à plein de pièces en fait en enfilade. Donc pareil, ça va faire le tour. Là, vous vous souvenez, c'est la cheminée en fait. Donc quand je vous disais que c'était en mauvais état, je blaguais pas. Donc ici, bah, va y avoir du boulot quoi. Parce que déjà, il faut isoler le toit. Et puis, ben, je sais pas, faut reprendre tous ces murs horribles quoi. Hop. Voilà. Et ça fait le tour en fait, hein, tout simplement. Là, il y a une espèce de dressing à gauche. Mais regardez-moi la beauté. Oh, j'aime trop. C'est si beau. Passion poutre, hein. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et on termine par cette pièce. Voilà, toujours avec les très belles poutres. Voilà, donc on rentre, on repart dans l'autre sens. Et il reste un petit truc que je ne vous ai pas montré, un tout petit truc qui est assez hallucinant. Hop, c'est peut-être que vous aviez repéré ces marches. Là, encore un étage. C'est pas un étage, vous allez voir. C'est clairement, alors c'est très sale, hein, parce que c'était vraiment un pigeonnier pour le coup. Hop, là il y a une fenêtre qui donne sur le jardin. Alors j'ai la trouille parce qu'hier il y avait une quête. Oh, oh j'ai la trouille. Qu'est-ce que c'est ce bruit? Ah ça va, y a rien. Ok, on va pouvoir rentrer. La première fois que je rentre toute seule là-dedans, j'ai trop peur. Arrête. Voilà, c'est dégoûtant. C'est un... Je crois qu'il y a un oiseau qui est coincé là-bas. Oh, j'ai trop peur. Oh putain, j'ai trop peur. Oh, c'est un seul petit oiseau, vous voyez. Je sais pas si vous l'avez vu. Oh, il me fiche la trouille. Du coup, c'était une espèce d'observatoire où apparemment les maîtres surveillaient
surveiller que leurs ouvriers travaillaient bien au champ. Voilà, donc absolument improbable. Non, il me fait peur cet oiseau à chaque fois. J'ai l'impression que c'est une chauve-souris. Voilà, voilà. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que je vous ai pas trop perdu et que vous avez à peu près suivi la visite. Donc encore une fois, on est conscient de l'état de la maison, on est conscient des travaux à faire, franchement ça va être monstrueux. Mais pour le moment, pour vous dire vite fait, on va habiter que en bas, tout en bas, au rez-de-chaussée. Et en fait, on veut réfléchir petit à petit à ce qu'on va faire dans cette maison. Donc ça, je vous en parlerai plus en détail plus tard. Je pense que vous allez avoir plein d'interrogations. Mais c'est vrai que voilà, on a du boulot. Clairement, on a du boulot. Mais on a aussi des milliards d'idées plein la tête. Franchement, voilà, il y a un potentiel de fou. Il y a du boulot de fou. Mais ça va être génial. On a trop hâte. Et puis bah, écoutez, on se retrouve très vite pour un premier vlog. Un vlog d'emménagement en fait, que je suis en train de tourner en parallèle. Puisque comme vous le voyez, la maison est vide, j'ai commencé à la nettoyer et on emménage demain. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Enfin, demain pour moi, mais pour vous, ce sera hier. Voilà, allez, je vous fais des gros bisous. Je voulais vous dire, restez dans le coin parce qu'il va y avoir tout le mois de décembre 2019, parce que je ne sais pas trop à quelle date vous allez regarder cette vidéo, plein de concours de malades. Pour le calendrier de l'Avent, je vous fais un calendrier de l'Avent sur YouTube. Ça va être ouf, il y a des lots, mais comme jamais j'ai eu cette année. Vous êtes vraiment pas prêts, donc restez dans le coin, ça va être dingue. Allez, gros bisous. Bye bye.